Bonjour, aujourd'hui on brode des marguerites sur le cinquième cœur. On va travailler différents points, le point de nœud pour faire le cœur des fleurs, ainsi que du point de bouclette allongé avec trois variantes. Et on va aussi voir aujourd'hui comment faire ici du point de poste. On va commencer par le cœur des fleurs qu'on va remplir avec une accumulation de points de nœud pour lui donner plus ou moins de volume. Alors, j'ai reporté mon dessin ici. Il est un peu moche mon dessin, mais parce que j'avais tout simplement oublié de le décalquer avant d'appliquer. Donc, j'ai retracé des traits et le cœur de la fleur. Donc, on peut commencer donc par faire des points de nœud tout autour sur ce demi-cercle. Je prends mon aiguille, j'enroule une, deux, trois fois autour de mon aiguille qui est maintenue à l'horizontale, puis je vais repiquer au même endroit et je tire. Je recommence, donc je fais celui d'à côté. Vous pouvez faire un tour ou deux tours, trois tours, pas au-delà. Sinon, après ça, on a des problèmes, c'est moins régulier. Voilà, je tire, j'applique et je continue pour former l'ovale du cœur de la fleur. Une fois que ce premier cercle est fait, on va pouvoir le remplir de plus ou moins de points de nœud. Donc voilà le résultat de l'accumulation de points de nœud. Alors j'ai fait trois versions. Ici, c'est légèrement parsemé, il reste quelques petits trous, je vais peut-être rajouter des perles d'ailleurs. Ici, il y a une seule couche, mais c'est très serré. Et ici, je vous montre sur la tranche, j'ai rajouté beaucoup, beaucoup de points de nœud. Et maintenant, on va passer au pétale. Et là aussi, je vais vous montrer trois façons de faire les pétales. Plus simple pour commencer, eh bien c'est un long point de bouclette par pétale. J'ai pris 4 brins de moulinet. Je ressors et je repique au même endroit, comme pour je vous l'ai montré dans les deux dernières vidéos. Je ressors sur le bord du tissu. Ça va finir de l'appliquer sur le support. Je tire. Et je repique juste derrière, ou je peux même lancer un point un petit peu plus long. Et je recommence tout le tour. Pour faire la deuxième version des pétales, vous allez commencer comme ici, par faire tout autour des points de bouclette assez longs. Puis, avec un deuxième fil, ou le même fil, vous allez pouvoir venir faire des points lancés. Donc, je sors à la base du pétale et je ressors, je rentre à l'autre bout. Là, j'ai pris 4 brins de moulinet. Vous pouvez passer une fois ou deux fois dans chaque pétale, toujours en faisant la même chose. Tout autour. Voilà le résultat pour ces points de bouclette remplis avec un ou deux fils de coton mouliné. Et maintenant, on va passer à la troisième façon de faire les pétales et on va se lancer dans le point de poste. Alors le point de poste, ça permet de faire des choses beaucoup plus en relief. C'est pour ça que j'ai choisi de le mettre autour du cœur un peu bombé ici. Alors, on sort, puis on prend une aiguille quand même assez longue et on va rentrer à l'autre bout, puis revenir là, faire sortir son aiguille, et là, avec une petite pression dessous, comme ça, pour redresser l'aiguille, on va faire des tours. Alors, on va faire des tours sur à peu près, on va essayer avec 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on les entoure, mais peut-être un peu plus d'ailleurs. 11, 12.
Donc on les entoure sans trop serrer, sans trop tirer sur le fil quand on l'entoure au-dessous, autour de l'aiguille. Et on va pousser sur le chat et récupérer et tirer l'aiguille tout doucement en maintenant ici, voilà comme ça, le fil, je tire et hop, regardez, je bascule. Voilà. Et ça me fait un petit point de poste. Voilà. Je recommence. Hop. Je sors ici. Je rentre en bas. Puis je ressors au même endroit. Avec mon doigt en dessous, j'exerce une petite pression pour redresser l'aiguille. Puis je vais entourer. Allez, on va dire 12 fois. 4, 5. Puis je pousse sur le chat de mon aiguille, je récupère en maintenant avec le pouce et l'index dessous comme ça le fil. Je tire. Vous voyez, je le tiens, mon petit tortillon de fil. Et après, hop, je continue à tirer, je bascule. Alors, c'est un coup de main à prendre, mais c'est pas si sorcier que ça. Là, vous voyez, je l'ai fait avec deux brins de moulinet, mais vous pouvez faire avec un fil plus gros. Ça fera des pétales un peu plus grosses. Et ensuite, vous allez voir ce qu'on va faire pour finir les pétales. Donc voilà, vous en faites quelques-uns tout autour. Et ensuite, on va passer à l'étape finale. Il ne reste plus qu'à faire tout autour. Un point de chaînette ouvert pour terminer chaque pétale. Alors, je sors à la base du pétale et de l'autre côté. Puis, je vais sortir au bout là. Et je vais entourer le pétale avec mon point de bouclette et repiquer. Soit juste après, soit en faisant un point un peu plus long. Comme on l'a fait pour la fleur précédente du tuto numéro 4. Je remonte, je sors à gauche, je repique à droite en laissant la boucle ouverte, puis au sommet, je tire. Et j'enveloppe mon point de poste. Voilà le résultat donc de cette troisième façon de faire les pétales avec un point de poste entouré avec un point de bouclette. Donc il ne vous reste plus qu'à faire vos choix. Vous voyez aussi pour finir le travail, je n'ai pas fait exactement comme sur mon modèle. Je n'ai pas envie de faire tous ces points de nœud, donc c'est vous qui choisissez. Soit vous faites des points de nœud, soit vous pouvez faire un point avant ici, ou rien faire du tout. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Nous allons broder le cœur rose qui est ici, le dernier. Brodez bien!